Donc on est un collectif d'artistes précaires et qui n'avons pas les moyens de nous loger, donc on occupe des bâtiments vides pendant leur période de vacances pour se loger et pour organiser des ateliers de transmission de savoir-faire artistique, des ateliers de jardinage, de théâtre, de cinéma, de danse et d'art plastique, des artistes plasticiens. On vient de quitter un lieu pour lequel on avait été conventionné pour quelques mois et on vient de le quitter parce que la convention arrive à échéance. Du coup, on réquisitionnait cette maison qui est vide depuis au moins 2 ans. Et qui appartient à une association d'aide sociale à la jeunesse qui s'appelle La Bienvenue, qui est probablement en train de la vendre, mais on n'en sait trop rien. On est rentré parce qu'on a trouvé une issue à l'arrière qui était ouverte, donc on est rentré, on a petit à petit investi le bâtiment, essayé d'en faire notre espace de vie, et depuis on est une petite dizaine à habiter là, depuis une dizaine, quinzaine de jours, et à commencer à remettre en état le bâtiment pour accueillir du public. Dans l'idée de lutter contre l'exclusion sociale et culturelle d'une partie de la population qui vraisemblablement vient pas se balader dans les beaux quartiers. Et voilà, on est là pour ça. Ce qui s'est passé là ce matin, c'est que le propriétaire est arrivé, accompagné d'un ami, d'un huissier, d'un serrurier. L'huissier était absolument pas ordonné par qui que ce soit. Et ils nous ont demandé de sortir, ce qu'on a refusé. Ils ont fait venir les flics. Les flics ont refusé de prendre nos preuves du fait qu'on habitait là, puisqu'ils considéraient qu'il s'agissait d'une copie et que donc c'était irrecevable. Et ils ont ordonné de péter la porte, ce qu'ils ont fait. Ils ont fracturé la porte en se foutant un peu de qui y avait derrière, de s'ils pouvaient blesser des gens ou pas. Et une fois la porte fracturée, étonnamment, ils ont décidé de ne pas rentrer et d'attendre. Donc là, ils ont l'air d'attendre des consignes. Probablement un arrêté préfectoral les autorisant à nous expulser. Et pour l'instant, l'effraction de domicile, tant que l'arrêté de commune préfectorale n'a pas eu lieu, et répréhensible et hors la loi, quoi. C'est le qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, elle s'appelle Révolution Permanente. Hashtag. C'est un bébé Julie quand même. Avec des pois chiches. Et tonton, je te ferai goûter les pâtes. D'ailleurs, c'est pas très orthodoxe le pois chiches normalement. Ouais. Ah ouais? On s'en fout. On met tout à côté, tu sais. C'est illégal, messieurs, attention! C'est illégal! Vous nous empêchez de rentrer dans notre maison! C'est notre maison! Vous agissez contre la loi! C'est notre maison! Vous agissez contre la loi, messieurs! Vous nous mettez à la rue! On est à la rue! On s'avoue, cassez-vous! Vous agissez! Et la trêve hivernale! C'est contre la loi! On est chez nous, on s'en fout! Il n'y a pas d'arrêt! On est chez nous! C'est contre la loi! Elle est enceinte! C'est contre la loi! Il y a un asthmatique et une femme enceinte, ne faites pas de bêtises! Lâchez-la, elle est enceinte! C'est contraire à la loi! C'est contraire à la loi! Monsieur, vous nous expliquez dans les quartiers, on n'a pas d'autre espace sur les quartiers! C'est pas la force! Elle l'empêche de passer ça! Arrêtez, c'est chez nous! Vous nous mettez à la rue! Vous nous mettez à la rue! Nous voulons un arrêté! Vous nous mettez à la rue! Vous êtes en train de me trouver! Vous nous mettez à la rue! On n'annule pas où aller! C'est notre maison! On n'annule pas où aller! C'est hors la loi, messieurs! On n'annule pas où aller! On n'annule pas où aller! Vous mettez des gens à la rue de façon illégale! Le droit d'expulsion, c'est totalement illégal! Vous agissez contre la loi, vous êtes censé défendre! Vous devriez avoir honte! Ah, la police illégale, c'est beau, hein. Mais non, la police hors la loi, c'est magnifique. Vous n'avez pas l'arrêté préfectoral. Montrez-nous une copie de l'arrêté préfectoral, messieurs. Allez, on y va, on y va, on y va. Mesdames. Non, vous ne pouvez pas, allez. Vous me touchez. On y va, madame. Vous n'avez pas d'arrêté préfectoral, vous nous mettez à la rue.
Vous nous mettez à la rue, on est chez nous. Il devrait y avoir honte. Cette maison, elle est vide depuis des années. Ne touchez pas, vous n'avez pas besoin. Non. Vous nous mettez à la rue. Vous êtes dehors la loi. Vous êtes des brutes. Vous êtes des brutes. Vous n'avez pas le droit. Vous avez devrait avoir honte. Vous êtes des brutes. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous êtes des brutes. Vous devriez agir pour nous. Arrêtez. On est étudiants, on n'est pas des maltraiteurs. Putain. Bande de violents. Vous êtes fous. Arrêtez. Vous agissez contre la loi, c'est illégal. C'est illégal, monsieur. Vous nous mettez à la rue. C'est illégal. Vous nous mettez à la rue. Vous devriez avoir honte. Il n'y a pas de préfectoral, vous le savez. Montrez-nous la rue. À la rue. Montrez-nous une copie. Monsieur, vous connaissez la loi. Montrez-nous la rue. Si on est chez nous. Non, on a le droit de venir. Monsieur, monsieur, c'est notre domicile depuis le 30 octobre. Montrez la rue. On est chez nous depuis 15 jours. On est chez nous depuis 15 jours. Montrez-nous la rue. Non, mais vous savez que c'est contraire à la loi, monsieur. C'est illégal. On est montrez-nous la rue. On va où? On est à la rue. On va où? Dites-moi où va. Si vous nous montrez ce papier, on vous le dites-nous. Vous savez que vous n'avez pas d'arrêté préfectoral, sinon vous nous montriez. Écoutez un peu la voix de la raison, il vous demande de sortir. C'est nous la voix de la raison. La loi vous demande l'arrêté préfectoral. Vous le savez. Si vous nous montrez le papier, on sort, on ne fera pas de problème. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est illégal. C'est illégitime et illégal. Honte de ce que vous faites, honte de vos actes. Cette maison est vide depuis des années. Depuis des années, elle sert à rien. Nous, on propose une négociation des propriétaires. Écoutez le projet. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il n'y a pas une procédure judiciaire, il n'y a rien, c'est illégal. C'est totalement illégal, vous êtes hors la loi. On n'a nulle part où aller. Vous nous mettez à l'arrêté préfectoral. Montrez-le nous. Montrez-nous l'arrêté préfectoral et on sort. On veut juste voir ce que vous faites, c'est totalement illégal. On veut juste voir le papier, on ne veut pas se faire défoncer, on veut juste voir un papier. Les filles. On veut juste voir on un papier, pas violent. Monsieur. On veut voir un usage de la violence. Illégalement. On veut juste voir un papier. On veut juste voir un papier, messieurs. Il y a des gens à l'arrière. Montrez-nous l'arrêté préfectoral et on sort directement. C'est la police qui est hors la loi et c'est normal. Ça ne dérange pas d'expliquer. La police est hors la loi, vous n'avez pas honte. Sans la loi. C'est pas pour ça que vous êtes engagés, c'est pas pour faire pour virer des gens comme ça à la rue. Vous n'êtes pas censé aider les gens par hasard? Mettre des gens à la rue, ça vous paraît de les aider? Les défendre et les protéger à la base. Les gardiens de la paix. Gardiens de la paix, vous ouais. Vous faites illégal et on cèdera pas. On cèdera pas parce qu'on veut un arrêté préfectoral. On veut une maison, on n'en a pas d'autre. Mais on vient si vous avez l'arrêté préfectoral. Nous, c'est ce que notre avocat nous a dit, on respecte ce qu'il nous dit. Depuis 10 heures ce matin, on discute. Bah, il n'y a plus de porte, vous l'avez cassée, vous avez laissé le propriétaire la casser. À vocation sociale qui n'en fait rien depuis des années. Non, mais on peut parler là, on s'entend. Hein. D'accord. On a déjà fait beaucoup de conventions. Non, ils nous sortiront pas, ils n'ont pas d'arrêté. Ils n'ont pas le droit de nous virer de cette manière. Ils ne peuvent pas, ils savent bien, ils n'ont pas de papier. Trouvez le papier et on sortira. Vous êtes. Trouvez l'arrêté, on sortira. On ne sortira pas sans arrêter. Non, c'est droit au logement. Oui, c'était ouvert. Le droit au logement, c'était ouvert. Ouvert, c'était vide. On y va ou pas? C'est pas insalubre. Pas insalubre, c'est très bien. Notre maison, vous voulez qu'on aille où? Dites-moi où on va. On vous invitera dans nos soirées. C'est quoi? Ça pue la mort, on est déjà. Ça pue pas la mort, mais on sortira pas tant que vous n'aurez pas montré d'arrêter, ça sert à rien. Vous êtes butés, nous aussi on est butés, on attend un papier, vous voulez pas nous montrer. Un arrêté préfectoral d'expulsion. Sinon, cette démarche est illégale et nous ne céderons pas. Notre démarche est légitime et légale. Vous venez? Nous discutons depuis 10 heures du matin. Vous ne pouvez pas nous virer par la force et la violence. Vous nous virez de notre maison, on va où? Mais venez discuter ici, là. Mais on s'entend très bien, monsieur. C'est quoi votre poker, là? Vous avez défoncé la porte. Nous parlons directement au propriétaire de l'association qui laisse la maison vide depuis des années. Nous ne bloquons aucun projet. Nous sommes prêts à négocier, mais ceci est illégal. Et rénover le lieu et en prendre soin. Ils essayent de rentrer par derrière, là. C'est une effraction, ce que vous êtes en train de faire de l'autre côté. C'est une effraction. Nous on n'a pas fait d'effraction, on n'a pas cassé de porte, on n'a rien fait. Hein. C'est vous qui êtes hors la loi en train de faire n'importe quoi. Hein. Arrête, la mort qui arrive sur toi, sur les arrières. Il y a deux flics avec des outils qui passent par derrière, sachez-le dedans. On sait. C'est une effraction ce que vous êtes en train de faire les gars, c'est grave. Vous mettez des gens à la rue alors que cette maison elle est vide. Vous savez qu'on est légitime, franchement vous devriez avoir honte. Ce soir vous en parlez à votre famille, à vos potes, vous devriez avoir vraiment honte. Vous savez qu'on n'est pas dans le monde. Il n'y a pas. On pourrait.
maintenant, on fait juste celle-là, là. C'est le Madrid, là. Non. On va faire celle de Madrid, là. Bah, avec un arrêté, alors. Avec un arrêté préfectoral, s'il vous plaît. Si vous rentrez, c'est avec un arrêté, monsieur. Avec un arrêté préfectoral, s'il vous plaît. D'accord. Une copie de l'arrêté préfectoral. Jaël, il reste calme parce que là, ils sont en train de rester par derrière. Ils sont en train de rentrer par derrière. Oui, mais c'est pareil, par derrière. Mais qu'on fasse quoi? C'est une défraction. Oui, mais ils sont en train, ils vont rentrer quand même, là. Là, là. Je te le dis. On fait quoi? Ah bon. Mais on attend l'arrêté préfectoral. C'est illégitime. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes en accord total avec ce que vous êtes en train de faire? Ceci est l'homme difficile! Non! Merci de reculer, vous! C'est notre domicile, messieurs! Vous êtes hors la loi! Non! Non! C'est notre domicile, nous n'avons nulle part d'autre où aller. Vous nous mettez à la rue. Je sais pas ce qui se passe là. Et là c'est trop tard. Laisse nous, laisse. Ça. On reste ensemble. La rue. On va essayer de les faire venir, si ils viennent. Laisse les faire un pas de passion. Si ça te plaît. Il n'y a pas le feu. Il y a trois binômes. Allez, une autre personne. Une fille. Allez, s'il vous plaît. Monsieur, merci.